Hey, bonjour à tous et bienvenue sur du Feed the Patrick en compagnie d'épée avec les lunettes Super Swag. Yeah! Ouais! Avec un canard sur la tête. Bon, alors, précédemment, le temps que je m'amuse avec ce petit câble vert de mécanisme, j'ai avancé sur ma baraque, j'ai beaucoup avancé. Par contre, j'ai pris plus d'une journée à essayer de faire un pattern qui pourrait me plaire. Et ce genre de choses, puis j'ai changé complètement de pattern, j'ai détruit, j'ai refait, j'ai redétruit, j'ai encore refait. Enfin bref, j'ai fait tellement de choses en même temps. Du coup, j'ai eu une idée avec Ruel, c'est que, en fait, si je me suis mis dans les abeilles, c'est peut-être pas pour rien. Donc autant faire sa maison en abeilles. Donc, très simplement, j'ai commencé de faire de base une maison qui ressemble à la Water Eve. Et ça donne ceci en fait. Voilà. Au niveau du pattern, ça ressemble à ceci. Alors il y a des creux, mais sur les creux, dehors. Youhou! Pouf! Voilà. Dehors, ça ressemble à ça. De loin, on pourrait ressembler ça à un bâtiment qui sera très haut. Complètement les bureaux qu'on trouve en ville, dans les grandes villes, ce genre de choses. Et pas du tout, moi j'ai envie de faire un petit peu Eve, les ruches. Derrière, il y aura d'autres planches en bleu plus foncé, voire plus clair, je verrai ce que c'est pour ça. Mais je dirais plus foncé justement, avoir un bleu vraiment bleu, un bleu puissant, qui pourrait ressembler à ceci, hein. Mais bien plus, encore plus, voilà, le portail en fait, qui ressemble nettement plus à ce bleu là. Comme ça, il y a un petit effet de profondeur en même temps, ce qui pourrait rendre pas mal. De toute façon, je vais rien spoiler au moment où je vais tourner ceci. Le creeper il est en dessous en fait, d'accord, ok. Moi j'irai le chasser plus tard. Du coup, lorsque le soleil va se lever, de toute façon ça va être génial. Alors aujourd'hui, voilà, ici il y a toujours le pattern de l'entrée qui est super bien avec les lampes en nether brick et ainsi de suite. Ici j'ai fait un petit chemin en gravier avec ceci à l'entrée parce que ça va être un peu bouché. J'ai fait une descente ici pour produire de l'énergie pour couper avec le harvester. J'ai mis exprès une énergie salt qui permet justement de stocker de l'énergie en même temps que ceci soit utilisé. Dès qu'un arbre est poussé, pouf, ça coupe et hop, ça renvoie du bois. Pourquoi j'ai du bois là? Ah d'accord, j'ai du spruce. Mais non. Pourquoi il y a du spruce? Bon, ok. C'est pas grave. En fait, j'avais pas demandé que du spruce. Je sais pas pourquoi il a... Il a pris du spruce celui-là. Ah, c'est pas les mêmes. Ici c'est du 6 de vanilla de base. Et ça c'est du 6.8. Ok. Lag ou... C'est moi. Ah non, lag. D'accord. J'espère que ça va pas freeze. Parce que ça me ferait un peu chier en fait. Ah non, c'est bon. Ah, c'est Eddy qui vient de revenir. Oui, Eddy, je l'ai légèrement buté. Vous avez vu, Editor, vous avez épée fort. Parce qu'il a buté un papillon, j'allais dire un champignon. A buté un papillon qui était peut-être dans le coin. Hein. Du coup, je l'ai chassé avec des tourelles de Portal Gun. Je les ai mis un peu partout et il arrivait dans le coin. Je l'ai pourchassé à travers toute la ville. Et pour terminer, il s'est transformé en vache dans un enclos à Alex qui est là-bas. Pour, parce que je l'ai retrouvé, grâce à la map, j'ai mes points là-haut, j'ai des points avec les noms. C'est pour ça que j'y arrive facilement. Voilà. Du coup, ceci étant dit, pourquoi il a droppé cette abeille, lui? What? Pourquoi tu es là, toi? Déjà, qu'est-ce que tu vaux? Bah, c'est une standard. Ok. C'est une standard. Ah bah du coup je vais programmer ceci puisque je pars, au moment que je tourne je pars deux petits jours. C'est pour ça que je vais les programmer pour que ça puisse travailler directement. Allo oui
Ah voilà. Alors là, je dis que dès qu'il y a un item ici, pouf, il est éjecté directement. Alors je vais voir si ça marche bien, mais oui, normalement. Il rentre le forest et normalement une queen. Voilà. Ici c'est pareil. Hop, ça rentre, ça rentre, ça rentre. Ça rentre tant que pas que c'est blanc en fait. Donc ici, j'essaye de produire des commons. Des commons avec des commons pour avoir des drones en puissance. Ici je ne produirai rien puisque c'est des roquilles. Ici je vais faire des forests. Je vais le faire manuellement et des nobles. Je vais voir si elle produit des nobles en masse. J'essaie de la modifier complètement en fait. Ici c'est des... Ah c'est une common carrément. Je vais refaire ça avec une queen. Hop. Énergie. Ici. Alors c'est aussi des commons. Donc je vais avoir droit à faire que des commons. Pour ça. Donc du coup ça part là, ça repart de l'autre côté, c'est génial, avec un golden ici pour accélérer le transfert. Ensuite, ici, ça me crée des nobles en boucle. Pour cela, je vais utiliser ça, une table de craft. Que je vais foutre temporairement là. Parce qu'il y aura un système apply de quand je vais après tourner ça. Tac. Ouais mais non, je vais pas le mettre là. Voilà. Tic. Voilà, comme ça j'ai tourné le coffre, c'est super beau. De toute façon je vais changer, hein. Je vais mettre du réseau apply, donc les coffres vont virer, ça va être des disques de 1K qui vont être stockés ici, ou dans une petite baraque en pierre en continuant ici, dans la montagne par exemple. Mais la colline sera rasée. Ok, t'es mort. T'es mort rapidement toi. J'adore la rapière, qu'est-ce que c'est pratique. Du coup, ici également, ici je fais des cultivates, que généralement j'ai une petite forte chance d'avoir une... hop, cultivate ici, génial. Une petite forte chance d'avoir des commons directement. Ici toujours la reine, ça c'est génial. Oui, ah voilà, j'avais mal cliqué. Hop, l'expulse aussi. Et ici, j'ai plus de cultivate encore. Donc, je vais refaire une cultivate et une command. Directement. Et je vais mettre l'autre commande, directement dedans. Comme ça, je l'aurai au prochain tour. C'est comme ça, je peux essayer d'avoir des abeilles assez rares. Voilà, étant ceci dit, c'est fait, ça aussi, hop, ça continue, ça pulse, hop, ça rentre directement dedans. Et pouvoir les traiter en plus, c'est ça qui va être bon. Du coup, Swag, hop, je vais mettre ça là, voilà. Donc les abeilles là vont être produites en masse pendant plusieurs jours. Je vais voir, tiens, je vais voir si j'ai pas d'autres abeilles à cultiver en masse. J'ai des médoux, j'ai des marquis, j'ai des croquis, mais genre croquis je m'en fous un peu. Je vais essayer de mettre que des drones ici et des... Voilà, ça c'est les rares que je produis. Et je vais essayer d'en avoir des vrais en fait. Du coup je vais mettre les abeilles plutôt ici, c'est ceux qui ne sont pas rares. Je peux avoir ça, c'est avec des mutations que j'ai réussi à les avoir. Et elle, je ne peux que les faire avec d'autres, mais par exemple une cultivate, je pourrais avoir 10% de chance de l'avoir celle-là. 10% c'est peu. Donc je vais pas la faire. Ici j'ai quoi? J'ai d'autres qui. Ça je vais les exploiter pour avoir de l'ADN. Ici je vais mettre le requis en plus. Voilà. Donc là ça se fait, je vais faire mon réseau apply juste après, donc la maison voilà, hein. L'intérieur ça va être sur 2 ou 3 épaisseurs, hein, donc vous inquiétez pas, ça va pas être moche comme ça tout le temps. Ici ça sera rehaussé de 1 niveau, le chunk loader je vais le laisser enterré dans le sol, puisque j'ai mis sur 9 de chunk, donc du coup il sera enterré. Ça exploite toute ma base en fait, hein. Non c'est pas F7, c'est F6, voilà. Voilà, et les coins en fait ça fait les 50 par 50 au niveau de ma base, donc c'est plutôt génial. Du coup,
Ici, j'ai encore d'autres abeilles. Je vais commencer la mutation avec les saplines. Ici, j'ai d'autres abeilles encore. J'ai des queens, j'ai celle-là, il faudrait que je la modifie ou que je l'exploite en fait avec une valiant qui pourrait me donner une reliquie. Là, ça fait du coca, du coco, du cacao. Rocky, j'en ai plein en fait, donc c'est plutôt pas mal les Rocky, ça me permet de justement de les mettre avec d'autres abeilles pour éviter tout problème. Les water, je sais que si on les met, les water, on peut faire du lapis, on peut faire des river aussi. Bondine océan, je sais pas pourquoi océan. Après c'est des common, Divicus et Prussian. Alors des fois je ne sais pas du tout à quoi ils servent. 5%, donc ça pourrait être pas mal. Avoir des colorants, ça aussi, turquoise, ça doit être un colorant évidemment. C'est ça pour faire du cyan. Donc vous voyez, on a pas mal d'échanges. On a une vitrille complète que je pourrais modifier avec une forest pour avoir des commandes en fait. Glacial aussi, pour avoir de la glace. Tispy, Mary. Ah, Ice Shard. Ah, très sympa. C'est quand on tue le Blaze de glace en fait. C'est ça qui le donne. Je crois que j'en ai d'autres en plus. J'en ai encore plein ici. Celle-ci avec. Des cultivates. Que je peux faire des nobles, des majestiques, j'en ai eu deux des majestiques avec des nobles, donc j'ai de la chance. Il faudrait que j'arrive à faire des diligent pour me faire après des industrios, parce que les industrios j'en ai extrêmement besoin. Grâce à ça je pourrais produire ma l'abeille qui fournira du royal jelly qui me permettra en tout cas de le donner à Pierre et lui par la suite, si on fait Royal. Voilà, Royal Jelly. Ah non, c'est une impériale en plus, c'est encore autre chose, c'est une noble plus une magistrie qui fait une impériale avec 8% de chance de l'avoir, donc c'est tout ou rien. Et les impériales par la suite. Je pourrais en faire du diamant si j'ai les salles en lapis. Lapis c'est juste une résiliente et une water et une impériale, voilà. Une autre impériale et une robuste. Donc voilà. Il faudrait que je fasse ça. Ça me permet d'avoir des royal jelly où on peut faire des sérums. Moi qui me servira après pour la mutation. Mais grâce à ça aussi, par la suite, avec Pierre, il pourrait arrêter l'appui sur tout le serveur entier. Donc c'est pour ça que je vais lui produire une Royal Jelly, ou plusieurs même, pour moi et pour lui en fait. J'ai toujours ça qui tourne. Hein. Ok, j'ai pas cliqué. Ah si, j'ai cliqué. C'est juste une petite latence. On va peut-être supprimer la Twilight, hein, parce que ça génère des lags ignobles. Peut-être, je sais pas, on verra. Applied qui tourne toujours, hein, nos problèmes. Tous mes tanks de. Pas mes tanks, mais des. Mes systèmes. Allo oui. Ah voilà. Pour extraire l'ADN des abeilles. Voilà, et je les mets dans un tank. L'acclimatisateur pour me permettre justement de climatiser des abeilles pour qu'elles fonctionnent dans ce biome là. Et tout mon réseau en fait. Donc du coup, moi de mon côté, ça sera un épisode assez court, de 15-20 minutes, donc vous inquiétez pas. Et c'est juste parce que, un, je suis fatigué, mais de deux, c'est pour continuer un petit peu mon avancement ici. Alors, je vous ferai sans doute des vidéos avec Pierre, plus tard, sans doute, je ne sais pas. Pour lui, de son côté, permettre d'apprendre ce que c'est que les abeilles. Voilà. Ici il me faut du mycélium avec des champignons parce qu'elles produisent une quelque chose qui m'intéresse. Voilà, du bogey, donc ça fait de la bouse. Sépia c'est pour les arbres par la suite. Hein. Mais ça fait de la mossy, ça fait d'autres choses, mais ça en produit beaucoup plus en fait. C'est pour ça que j'aime bien. Je vais chercher ce que c'est. Dump. Non, c'est Pierre, voilà.
Le sépia me produit du ni et du... Ah oui, ok, du colorant brun. Puis les tropicales aussi, il faudrait que je mette des lianes en fait, pour qu'elles produisent en boucle. Je vais m'en éloigner pour éviter qu'elles me piquent. Puis voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et bon, moi je continuerai ma baraque ultérieurement. Je vais faire mon réseau Applied et puis... Et puis je vais vous laisser là. Hein ? Qu'en dites-vous ? Hop, 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 hop. Youp. Ouais, j'ai tout ramassé. Ok. J'aime bien manger ça parce que c'est bon. C'est... Et puis c'est swag. C'est cool. Voilà. Ah oui, le petit cadeau de Pierre. L'abyssal sun. Parce que je vais peut-être en avoir besoin pour faire mon sol. Voilà. Hop, je termine de brancher ça. Allez. Voilà. Le cactus qui a du mal à pousser des... Tiens, en parlant de ça... C'est bon, t'as pas fini de manger encore? Ah, voilà. Bon, c'est que quelques petites gueules de latence, mais à part ça, tout va bien. Y'a aucun souci pour ça. C'est bon, t'as fini de bouffer? Putain, tu bouffes comme un porc en plus. Toc, toc, toc. Fun. En plus, c'est les mêmes. Du coup, bon allez, sur ce, moi, je vais vous laisser, hein, et puis, on se dit à la prochaine, avec le... Ouah, en gros plan. Gros plan pour la miniature. Ah, ça, c'est génial. Gâteau. Bon allez, sur ce, bye bye.